Allez, c'est parti pour ce défi. Il va falloir que je récupère au moins le match nul avec la Finlande contre les Pays-Bas. En pro, à mon avis, ça va pas être facile. C'est parti, donc parti pour le défi, j'ai eu un petit problème de frappe, c'est pas la première fois, et donc, ah bah d'accord, pénalty, bon bah voilà, bah l'égalisation elle va arriver là tout de suite, on va faire le temps par an, c'est pas fait, là c'est fait, je voulais un petit peu parler du fait de, la sortie de la 13, hein. Donc j'ai appris que je suis pas très simple parce que j'ai appris pour avoir tellement en train de se faire dans les 24 personnes. Donc, j'ai acheté donc pas très au moment de la sortie en septembre. Pour pouvoir vous uploader ben, les premiers défis, les premières images, les premiers, premiers matchs. Je fais comme pour FIFA 12, hein. Le premier match se fera offline, avec mon avatar sur le terrain, bien sûr. C'est plus sympa. Michael Forsell. Il a essayé de prendre le ballon. John Etiga. Et puis bon, ben voilà, on verra bien ce que ça va donner cette mesure en 2013. Voilà, en fait, j'ai trouvé déjà le 11 était vraiment très très bon. Bon, il y avait des petits défauts, c'est sûr. Mais j'espère qu'en tout cas, il y aura un peu de difficulté au niveau des centres, par contre, c'est pas notre 13. Et puis, j'ai vu une belle idée, qui est une idée qui a été donnée par un fan. Sur ma page GameFan sur Facebook, et en fait c'est vrai que ça serait sympa qu'on ait un mix en couple. Ça serait vraiment sympa d'avoir un mix comme ça. On peut faire une coupe en multi vraiment avec des potes, et ça serait vraiment sympa en multi, je veux dire en deux ou trois joueurs par équipe. Ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir faire ça. Donc on verra ce que ça va donner le 13 à partir de septembre à la rentrée. Ce qui nous laisse quand même deux mois encore à jouer à FIFA 12, à profiter des qualités de ce jeu quand même. C'est vraiment très très bon, c'est le meilleur jeu auquel je joue pour l'instant. Il vient peut-être de son équipe là en intervenant. Donc il me reste encore deux mois, pour valider mon défi, mon mini défi perso, hein, qui est celui d'atteindre au niveau 100 sur ce jeu, hein, au niveau d'expérience, on gagne en réalisant les défis notamment, et puis en gagnant des matchs, et puis voilà. Donc je vais tenter d'atteindre le niveau 100, je fais peut-être une petite vidéo là-dessus. Je continue les coupes pour l'instant, je fais 15 jours, je continue les défis tous les jours, tous les deux jours, je sais pas, ça dépend. En ligne, là en ce moment c'est toutes les 150 minutes. Il reste 150 minutes pour valider ce défi, oui, c'est ça. Et les défis euros sont moins importants. L'euro est terminé, donc, mais l'esport n'a pas laissé tomber le jeu, heureusement, parce que 20 euros DLC. C'est qu'un mini DLC, bon. Il y a certes un autre jeu supplémentaire qui est dans l'exception, qui est franchement pas. Voilà. C'est pas exceptionnel. Hein. J'ai fait de la vidéo dessus pour le fun, pour voir un peu ce que ça donnait. Je vais certainement continuer, peut-être qu'on va me le finir, mais. Ouais, sans plus quoi. C'est vraiment sans plus. Un malaï même. Et voilà, on est tout de suite à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pas, je vais regarder toutes les vidéos que vous avez vidéos. À la fin de la vidéo, pour un autre défi.
Ils ont forcé le destin, mais ils sont allés chercher cette victoire. Ils ont tenté d'égaliser sur ce ballon, l'un des derniers. Bon, vous c'est le score final, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il peut retenir de ce match avant tout? Je pense qu'au-delà de la manière. Voilà, donc défi réalisé, j'engrange les 500 points, ce qui mène à 10 267 points sur les 18 220 à obtenir pour atteindre le niveau 83. Allez, à la prochaine pour un autre défi, salut.